L'Inde. De nos jours, l'Inde est un pays hindou en grande majorité. Cependant, le lien entre l'islam et l'Inde est toujours d'actualité. Malheureusement, depuis quelques années, voire plus, les musulmans en Inde, qui représentent 15% des Indiens, subissent des persécutions sans précédent. L'extrême droite hindoue, l'Hindutva, appelle au meurtre et au massacre des musulmans du pays. C'est une véritable hécatombe. Des mosquées sont brûlées, les musulmanes violés et humiliés, et les musulmans sont lynchés. Pour une seule raison, car ils attestent qu'il n'y a nulle autre divinité hormis Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en est son messager. Néanmoins, l'histoire musulmane de l'Inde doit perdurer pour les générations futures des musulmans, car l'Inde musulmane fut tout aussi prospère et ingénieuse que la belle et illustre civilisation d'Al-Andalus. Cela a été permis par le grand empire moghol, celui qui a su faire perdurer un empire musulman dans une zone multi-ethnique pendant plus de 3 siècles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne vidéo à tous et à toutes. Haroun, un marchand d'épices du Fergana, une ville située en Ouzbékistan, assiste à une scène habituelle à cette époque et dans cette région. Zahiruddin Muhammad, plus connu sous le nom de Babur, ce qui signifie le tigre en turc Chagatai, est chassé de son royaume où il gouvernait, chassé par ses cousins avides de pouvoir. Cette scène se déroule en 1497. Babur serait un descendant de Tamerlan par son père et un descendant de Genghis Khan par sa mère. Le contexte politique de cette région nous mène vers une multitude d'émirats royaumes divisés et dirigés par les descendants de Tamerlan, chacun voulant ainsi recréer l'état du grand ancêtre Tamerlan. Pour ceux qui ne savent pas qui est Tamerlan, Tamerlan, connu sous le nom de Timur le Grand, était un conquérant turco-mongol des 14e et 15e siècles. Il a fondé la dynastie timouride et a conquis un vaste territoire comprenant des régions d'Asie centrale, du Moyen-Orient, ainsi que de l'Inde. Réputé pour sa cruauté envers ses ennemis, Tamerlan a mené de nombreuses campagnes militaires et pillé de grandes villes, telles que Bagdad, Damas et Delhi. Précisons aussi que le terme « moghol » provient du mot « mongol ». Pour en revenir à Babur, celui-ci fuit donc Fergana pour s'installer à Kaboul en 1504, dans l'actuel Afghanistan. Babur est déshonoré de régner sur un petit royaume sans aucune importance, loin de la terre de ses ancêtres. Assoiffé de conquêtes et de pouvoir, il se tourne d'abord vers la Perse, mais celle-ci est divisée en plusieurs grands royaumes puissants, comme celui des Timourides. Kaboul et ses alentours sont pauvres en richesses, et Babur est connu pour sa soif de richesse. Il se tourne donc vers l'est, où se trouve l'Inde, divisée entre plusieurs royaumes musulmans et hindous. De plus, l'Inde est très riche. Pour Babur, c'est la cible idéale. Mais son but principal avant tout est de reconquérir les territoires ouzbeks de ses ancêtres, c'est-à-dire Samarcande et Fergana. Mais ses expéditions sont toujours décevantes. Les ouzbeks réussissant toujours à le repousser, il s'est alors allié à Ismaël Safavi, de Perse. Mais cela a été sans résultat. Perdant espoir quant à la reconquête des territoires de ses ancêtres, il se penche plus sérieusement sur la région du Pendjab en Inde, et vers le sultanat de Delhi. Le sultanat de Delhi, dirigé par Ibrahim Lodi, semble être instable. En effet, une grave crise et une division touchent le sultanat. Babur tente en 1521 de petites incursions pour tester le sultanat. Une autre différence qui conforte Babur sur cette cible est la différence technologique ainsi que militaire. Le sultanat de Delhi n'utilise pas les engins à poudre, contrairement à Babur qui s'arme de mousquets ainsi que de canons. Il a comme casus belli, c'est-à-dire comme légitimité de guerre, la légitimité territoriale de Tamerlan sur le Pendjab. La cible est alors choisie. Babur rassemble ses forces
et lève une armée de 12 000 hommes composée d'artillerie. Il avance alors vers Lahore, depuis Kaboul, et la prend sans difficulté. Ibrahim Lodi lève une armée de 100 000 hommes. Babur s'aventure vers Delhi, et surtout vers une mort certaine. Mais le moral de son armée est au plus haut, contrairement à l'armée d'Ibrahim Lodi, sultan de Delhi. Les deux armées se croisent sur la plaine de Panipat le 21 avril 1526, à quelques kilomètres de Delhi. Babur constate l'infériorité de son armée. Cependant, il sait qu'il pourra compter sur l'effet de surprise des engins à poudre. À l'aube, la bataille est lancée. Comme prévu, l'armée d'Ibrahim Lodi est surprise. Forte de 100 000 hommes mal expérimentés et déloyaux, ce fut un carnage pour l'armée du sultanat de Delhi. Ibrahim Lodi meurt et Babur savoure son triomphe. Les commandants ennemis prêtent allégeance à Babur, le légendaire empire moghol vient de naître. Et le premier grand moghol commence à se faire un nom dans la région. Cependant, comme dit auparavant, le sultanat de Delhi était en pleine guerre civile. Les Rajputs hindous, qui étaient alors en guerre contre le sultanat de Delhi, levèrent une armée de 130 000 hommes en direction de Babur. Les Rajputs n'acceptaient plus la présence musulmane en Inde du Nord. Comme à Panipat, Babur put compter sur ses engins à poudre. Le 16 mars 1527, les deux armées se retrouvèrent à Kanwa. Les Moghols, composés de 30 000 hommes seulement, affrontèrent une armée de 130 000 hommes. La bataille commença et les Hindous furent décimés, totalement décimés. Babur gagna encore une fois et mit fin à toutes les oppositions dans le sultanat de Delhi, qu'il annexa à son état. Babur stabilisa son état ainsi que ses administrations et son économie. Il devint maître de l'Inde du Nord jusqu'en 1530, où il mourut. Son fils, Humayun, lui succéda. Son règne est marqué par des défis, notamment des rébellions et des conflits de succession. En 1540, il fut renversé par Sher Shah Suri, un général de Babur qui se rebella pour créer son propre état. Et il fut contraint de s'exiler pendant plusieurs années. Cependant, en 1555, Humayun parvint à reconquérir le sultanat moghol avec l'aide de l'empire Safavide en Perse. Malheureusement, son règne fut écourté lorsque Humayun mourut en 1556, après une chute accidentelle dans sa bibliothèque à Delhi. Malgré sa courte durée, son règne jeta les bases de l'empire moghol et son fils, Akbar le Grand, lui succéda pour continuer à étendre et à consolider l'empire. Akbar, son fils, sera lui bien connu de l'histoire, car il amène à l'empire moghol à son âge d'or, tant sur le plan civilisationnel, militaire, culturel que scientifique. Mais cela, nous le verrons dans le prochain épisode sur les Moghols. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.